Qu'est-ce que c'est bien un petit bain de cendre? Qu'est-ce que ça nettoie bien les parasites? Hein? Oh là là, c'est comme un sauna pour les hommes en fait. Donc là, il y a Fanlabise et Grisette qui se prélassent dans les cendres de la cheminée. Je vide les cendres de la cheminée tous les 3-4 jours et je les mets là. Et dès qu'il y a de la cendre fraîche, elles viennent pour se détendre. Parce que elles sont super bien, super heureuses. Fanlabise et Grisette vous passent le bonjour. En direct de leur cendratorium. Ah, et voilà Ginette qui vient se regarder dans le miroir. Est-ce que je suis toujours aussi belle? Ah bah oui, je suis toujours aussi belle. Alors c'est comment? Comment que c'est? Font la bise. Elle se demande ce que je fais là avec mon appareil photo, elle n'a pas l'habitude de me voir avec. Oh. Ça va copine? Hein? Ça va la copine? Oh, elles sont gentilles, hein? Elles sont gentilles. Et elles mangent aussi de la cendre, donc ça doit être bon pour leur système digestif. Voilà, ce matin, elles ont eu leurs graines germées. Et grâce à tout ça, elles me font un œuf par jour. Hop. Ah là, ça fume là. Ouah, doucement. Allez, c'est au tour de Ginette de venir se prélasser. Voilà, ça c'est des graines germées, des graines d'orge germées. Donc je les fais germer 2 jours, je les trempe dans l'eau 2 jours. Ça suffit, il n'y a pas besoin que le germe sorte de trop, mais le processus de germination est activé et elle bénéficie de tous les éléments nutritifs que peuvent apporter des graines germées. Puis la quatrième... Elle est en train de me faire son œuf aussi. Hein? Ah là, ça y est, elle a fait son œuf à l'instant. Oh, merci. Merci à toi pour ce bel œuf. C'est le 4e de la journée. Faire leur petit tour dans le verger. Aïe. Elles ont de la place, de l'herbe. Tout ce qu'il faut pour être une poule heureuse. Ah bah non, ça je suis pas d'accord. Ah bah non, ça c'est pas bien ça. Ben voilà. Elle a fait une omelette. C'est un peu de ma faute aussi. Hop.